Salut tout le monde, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout simplement pour un énorme glitch d'argent, les amis, sur le jeu GTA 5 Online en solo, tout simplement, les amis. Du coup, c'est un glitch de duplication en solo. Il est toujours fonctionnel, les amis. C'est celui avec le complexe. Les amis, je l'ai déjà fait. Il est juste en description. Je l'ai déjà fait il y a de cela 2 semaines. Mais il y a nombreux qui n'arrivent pas à le faire et il y a plein de nouveaux qui ont rejoint la chaîne, les amis. Du coup, je refais la manipulation pour vous, les amis, pour bien vous expliquer. Et n'hésitez pas à aller en profiter au maximum avant que Rockstar Game ne le patch. Du coup, les amis, avant de commencer, tiens tout simplement à vous remercier pour vos 230 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Go les 250, je compte sur vous. Et n'oubliez pas qu'aux 500 abonnés, je vous offre tout simplement 2 comptes lobby, les amis. N'hésitez pas à vous abonner au maximum, partager la chaîne. Vous avez bien vu que je ne fais pas du fake, j'offre vraiment des comptes lobby. Du coup, abonnez-vous au maximum pour tous ceux qui veulent avoir le code. Et rejoignez le Discord, les amis. C'est là-bas que le concours se passe, les amis. C'est là où tout se passe. Du coup, une fois que vous avez fait cela, les amis, revenons à la manipulation. Il va falloir être en session sur invitation, les amis. Et il va falloir avoir le mode de visée libre. Du coup, vous devez le changer en mode histoire ou en mode éditeur, tout simplement. Une fois que vous avez le mode, vous avez fait tout cela, les amis, il va vous falloir tout simplement un véhicule à dupliquer. Pour ma part, ça sera là ici, anticipation, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel véhicule. Une fois cela fait, il va vous falloir le centre d'opération que vous allez retrouver dans Wastock. Vous devez mettre en module 3, dépôt de véhicule personnel, tout simplement. Il va vous falloir aussi un bunker, les amis, et un complexe, tout simplement, les amis. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous êtes prêt pour la manipulation. Et avant de commencer, il va falloir acheter soit la Elegy RH8 que vous allez mettre dans votre complexe, les amis. Vous devez mettre soit la Elegy RH8, soit un véhicule cher, les amis, soit la Deluxe ou la Scramjet. Pour ma part, ça sera la Oppressor, les amis. Du coup, je pourrais revendre ma duplication à 2 millions, mais vous pouvez utiliser la Elegy RH8 si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter la Oppressor. Vous pouvez faire là avec la Elegy, vous pouvez revendre votre duplication à 1 800 000, c'est vraiment énorme, les amis. Du coup, n'hésitez pas à aller en profiter. Sur ce, les amis, let's go pour la vidéo. Une fois prêt la team, vous aurez juste à monter dans votre ici anticipation ou votre véhicule à dupliquer, tout simplement, et faire R2 pour sortir, les amis, qu'on mange le gameplay. Une fois cela fait, vous allez spawn dans votre bunker, les amis, tout simplement. Vous allez voir comme moi, les amis. Une fois cela fait, vous allez tout simplement descendre de votre véhicule comme moi, les amis. Puis vous allez vous diriger vers la sortie. Puis vous allez quitter votre bunker, les amis, comme moi. Une fois à l'extérieur, les amis, vous allez faire pavé tactile longtemps. Allez dans masquer icône, les amis. Vous allez sur activité, vous allez personnaliser tout simplement les activités comme moi je le fais, les amis. On descend tout simplement sur masquer icône, activité, personnaliser, tout simplement. Une fois cela fait, vous allez tout simplement vous inscrire en SQSF comme moi, les amis. Une fois cela fait, vous allez commander un bizarre, les amis, tout simplement, et vous diriger à votre complexe comme moi sur les gameplay. Du coup, on se retrouve une fois arrivé au complexe. Yo la team, une fois arrivé au complexe, vous allez tout simplement vous diriger vers le distributeur de soda. Du coup, les amis, une fois arrivé au distributeur, vous allez poursuivre la manipulation. Du coup, les amis, vous allez tout simplement descendre jusqu'à arriver à ce distributeur de soda, les amis, tout simplement. Vous allez vous placer en face comme moi, de telle sorte à avoir le message en haut comme quoi vous pouvez faire flèche de droite pour acheter un soda. Du coup, vous allez faire flèche de droite, les amis. Vous allez voir comme moi, les amis, vous devez voir à quel point votre à quel moment votre joueur se met à boire le soda comme moi. Du coup, j'ai bel et bien vu. Du coup, là, les amis, on va vérifier avec le menu pause, les amis. On fait flèche de droite, puis on fait pause, les amis, pour voir à quel moment notre joueur commence à boire, les amis. Nickel. Une fois que vous avez vu cela, les amis, la manipulation est simple, les amis. Vous allez faire flèche de droite dès que votre joueur sera courbé pour acheter sera courbé pour prendre la canette. Vous allez faire rapidement option, les amis.
Puis vous allez ouvrir la map en grand, vous allez vous diriger vers une activité. Puis dès que votre joueur commence à boire la canette, les amis, vous allez faire carré et X, les amis, pour lancer l'activité rapidement, les amis. Du coup, on va faire flèche de droite. Dès que notre joueur se met à boire, les amis, comme moi, vous allez faire carré et X, les amis, puis vous allez avoir le chargement à l'infini, comme moi, nickel, les amis. Une fois que vous avez fait cela, vous allez tout simplement vous diriger vers les garages du complexe, tout simplement, les amis, pour poursuivre la manipulation. Une fois arrivé à votre garage, les amis, du complexe, comme moi, les amis, vous allez tout simplement vous diriger vers votre véhicule à peine, les amis. Pour ma part, ça sera la oppression, les amis. Une fois que vous êtes arrivé devant votre véhicule, vous allez tout simplement vous placer sur une personne en mode de visée différent de vous. Une fois cela fait, vous allez cliquer rapidement sur rejoindre, puis vous allez faire triangle sur votre véhicule, puis vous allez voir votre joueur monter sur le véhicule, comme moi, les amis. Du coup, on y va, les amis. On va faire double PS, on rejoint la personne. Une fois d'avoir rejoint, on fait triangle, les amis, comme moi. Vous allez voir que votre joueur va monter sur le véhicule, comme moi, sur le gameplay. Une fois que le joueur sera sur le véhicule, vous allez tout simplement avoir ce message d'alerte, les amis, comme moi. Puis vous allez maintenir R2, les amis, comme moi. Vous allez accepter le premier message, refuser le second, accepter le troisième. Puis vous allez voir votre joueur descendre du véhicule. Vous allez relâcher R2, les amis, tout simplement. Et vous allez avoir un écran noir, puis un chargement. Et vous allez spawn à l'extérieur, à pied de votre complexe, tout simplement, les amis. Nickel. Une fois cela fait, vous allez rappeler votre buzzard et vous rediriger vers votre bunker, les amis, et poursuivre la manipulation. Du coup, on se retrouve une fois arrivé au complexe, au bunker, les amis. Une fois arrivé au bunker, les amis, vous allez tout simplement entrer par le petit cercle jaune, les amis. Vous allez avoir la cinématique et vous allez voir votre joueur entrer dans le bunker. Vous allez avoir un écran noir puis un chargement et vous allez spawn à l'intérieur, tout simplement. Une fois à l'intérieur, vous allez tout simplement voir votre véhicule au même emplacement que vous l'aurez laissé tout à l'heure, les amis. Vous allez tout simplement vous diriger dans votre centre d'opération mobile, comme moi, les amis. Vous allez entrer, les amis, puis vous allez ressortir de votre centre d'opération mobile, tout simplement, comme moi sur les gameplays. Vous allez ressortir. Si vous n'arrivez pas à ressortir, comme moi, les amis, vous allez juste rejoindre une personne en mode de visée différent de vous, tout simplement. Une fois avoir rejoint la personne en mode de visée différent de vous, vous allez accepter le premier message et refuser le second. Et là, vous pourrez sortir de votre centre d'opération mobile, tout simplement, comme moi. Du coup, j'accepte, je refuse et je peux sortir de mon centre d'opération mobile. Une fois cela fait, je me redirige vers le véhicule à dupliquer, les amis. Et vous montez à l'intérieur du véhicule. Vous montez à l'intérieur du véhicule, les amis, tout simplement. Une fois que vous souhaitez monter dans le véhicule, vous allez vous diriger derrière votre centre d'opération mobile, tout simplement, comme moi sur le gameplay, les amis. Vous allez avoir un message en haut comme quoi vous pouvez faire flèche de droite pour monter. Vous allez faire flèche de droite. Vous aurez ce message d'alerte comme quoi vous pouvez, votre dépôt de véhicule est plein. Vous acceptez le message. Puis vous allez avoir un écran noir et boum, les amis, vous aurez réussi bel et bien votre duplication, tout simplement, comme moi, les amis. Vous allez bien vu que j'ai réussi à dupliquer ma ici anticipation, les amis, et vous pouvez le revendre à 2 millions, les amis, le prix de votre oppresseur, tout simplement, les amis. Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne au maximum. Ça me fera extrêmement plaisir. Les amis, n'hésitez pas à en profiter avant que Rockstar nous le patch. Je sais qu'il y a l'énorme glitch des jetons, les amis. Faites attention au ban, tout simplement. N'abusez pas du glitch, les amis, pour éviter de vous faire ban par Rockstar Game. Du coup, moi, je vous laisse sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go!